nous sommes le 1er juillet, le temps de vous présenter mes coloriages terminés du mois de juin. J'en ai fait 15 à peu près. Par contre, j'ai pas fait de mystère. Voilà. Parce que, un, j'avais moins le temps, puis je crois que j'avais moins envie de faire du mystère au mois de juin. Mais ça va revenir. Sur ce, on va commencer. Alors, j'ai commencé mon Magical Game. Je crois que j'ai pris la page du mois de colorier ensemble. Mais bon, je vais pas m'y tenir tous les mois parce que j'ai pas envie d'être lié à un défi ou à un truc tous les mois. Je veux avoir la possibilité de faire autre chose. Mais là, je le fais. Puis de temps en temps, occasionnellement, je regarderai ce qu'il propose. Alors là, je vais commencer. Alors, je l'ai fait au polychromos. Tout est fait au polychromos. Alors, cette fois-ci, j'ai conturé tous les éléments et tout avec du Posca et des. Alors, moi, j'ai pas les artistes trop. J'ai les acryliques pen marqueur. Voilà. Donc, j'ai tout conturé. Et puis, alors, je sais pas. Je sais pas si vous voyez bien. Après, j'ai mis le fond. J'ai fait au pastel sec, y compris le jaune. Et j'ai mis pas mal de paillettes. Vous savez, j'ai mis les gels Stickles comme ça, que je vous avais montré dans mon dernier haul. Donc, si vous regardez bien, vous les voyez bien. Là, on voit avec les petites étoiles. Et finalement, je l'aime bien. J'aime bien celui-là. Il ira peut-être pour les abonnés, le thème des la mission des abonnés de Marina. Je crois qu'il y a un ciel étoilé. Donc, je pense qu'il fera l'affaire. Je mets la page parce que, un, j'ai un cours à côté, puis le pastel n'est pas fixé. Le papier, là, c'est pour ça que je voulais plus protéger. Dans Season, j'en ai fait deux. En Season, ça fait partie des livres que j'essaie d'y aller tous les mois. Parce que c'est un des premiers que j'ai acheté, donc je me dis continuer à l'avancer tant qu'on est motivé. Alors, comme je l'ai fait vers le 15-16 juin, j'ai fait la dernière page du printemps. Voilà. Au polychromos. La clé, j'avais aussi de faire un effet doré, mais j'y suis pas arrivée, je me suis un peu plantée. Donc j'ai tout repassé en noir. Je ne savais pas comment le rattraper. C'est pas génial, mais c'est moins pire qu'avant. J'ai mis pas mal de stickers, de paillettes, je sais pas si vous voyez, sur l'oiseau, que ce soit cette partie-là ou dans les ailes. Le ruban, j'ai fait avec des stylos gel et le fond au pastel sec. Donc, j'ai fait la dernière page du printemps et la première page de l'été. Alors, pareil, polychromos, tout au polychromos. J'ai mis des paillettes, des stickers dans le bouchon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, on ne voit rien. Hein. Bon, c'est dingue comment on ne peut rien voir en vidéo, les paillettes. J'en ai mis dans les ailes. Et le fond, alors, je vous avais parlé dans mon haul. J'ai fait l'ensemble, j'ai fait le fond. Alors, une partie avec les dupes des gélatos, vous savez, les gras écumènes, je sais pas quoi, comment ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle. Alors, j'avais fait tout le fond, là, cette partie, là, un peu, et après, je me suis rendu compte que, avec les mousses en pousse, là, pour les doigts, là, pour aller dans les petits recoins, c'était pas évident, sans que ça laisse des. Parce que moi, je fais mon fond après les coloriages, donc, avec les doigts, c'est pas évident que ça aille pas sur les éléments. Du coup, cette partie-là, je l'ai fait au pastel sec. Parce que pastel sec, ça ne croche pas les crayons de couleur. Voilà. Voilà pour les Anacarzold. Après, Clara Markova. Fairy Miracle. J'ai fait la name page. Question de commencer. Voilà. Alors. Pareil, Polychromos. Polychromos. Là, j'ai mis dans les. Je sais pas si vous voyez un peu les paillettes. Alors là, j'ai mis dans les ailes, j'ai mis
Vernis à ongles. Vernis à ongles avec des paillettes. J'avais vu ça dans une vidéo, je sais plus chez qui. Et du coup, là, j'en avais vu, je crois que c'était Centre Accor. Je suis allée même à Centre Accor. Ou à Stokomani, ils en vendaient, ils en avaient, c'était 1 euro. Alors je me suis dit, on va essayer et on verra bien. Voilà. Et le fond, pan pastel. Magical Delight. Alors, j'en ai fait 3 et je vous en montrerai un du mois de mai parce que j'avais oublié de vous le montrer. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors, celui-là était pour le mois de juin. Alors, je suis pas très contente de la couleur de mon bonhomme. Il fait un peu schtroumpf. Ça va un peu le grand schtroumpf avec son chapeau rouge, mais bon. Il est un peu trop bleu. Mais après, si je l'aurais fait, je sais pas. Je sais pas quelle couleur. Je savais vraiment pas quelle couleur le faire. Et du coup, j'ai pris du bleu parce que c'est un peu de mes couleurs fétiches, mais c'est pas génial. Alors, j'ai tout fait sinon le reste au polychromos, sauf les champignons au Prismacolor. Et le fond au pan pastel. Est-ce que j'ai mis des paillettes? Je n'ai pas mis des. Non, je n'ai pas mis de paillettes. Pas dans celui-là. Après. Alors. Celui-là. Pareil. Alors. Polychromos aussi. Sauf là. C'est un petit lapin. Je pense que c'est un petit lapin. Je l'ai fait Prismacolor. Voilà, là je me rends compte, je n'ai pas fini la coccinelle. Mais comme j'ai mis, vous savez, je mets du vernis parce que là j'ai fait le fond pas de pastel. Donc je mets une vernis, je ne suis pas sûre que je peux colorier par-dessus. Les nuages, j'ai contourné les orages avec les stylos, les colles à paillettes, mais d'action. Argent. Argent, et puis voilà. Voilà. Après, alors, soit ce que j'avais fait au mois de mai, que j'ai zappé, que j'ai oublié de vous le montrer, c'est celui-là. C'est celui-là. Ah, pareil, polychromos. Polychromos, tout au polychromos, c'est le fond pastel sec. J'ai mis des paillettes là, dans les étiquettes. Paillettes. Et puis voilà. Moi j'aime bien celui-là. J'aime bien. Et après, un qui revient de loin, de loin, de loin, de loin. C'est celui-là. Alors, tout est fait. Tous les éléments sont faits au polychromos, c'est-à-dire les feuilles, les fleurs, je sais pas ce que c'est ça. Ah, par contre, le petit fan, j'ai fait un aplat au néocolore pour gagner du temps, pas faire trop de trash. Je me suis dit, on va essayer, ça donne bien. Et j'ai fait un peu des ombres avec du polychromos. Voilà. Et le fond, alors au départ, j'avais fait un fond au néocolore. J'ai voulu faire un dégradé de bleu et de violet, mais ça faisait des traces, c'était horrible. C'était une horreur, une horreur. Du coup, je ne savais pas comment le rattraper. Et puis, comme j'ai vu que ça se fait souvent, je me suis dit, on va faire un fond noir. Alors, j'ai pris de la peinture acrylique. Et pour le passer par les petits éléments, j'ai passé au Posca. Parce que j'ai pas de gros Posca noir. Voilà. Voilà pour le Magical Delight. Il avance tout doucement, hein. Je pense que j'en ai peut-être fait une bonne moitié avant la fin de l'année. Et du coup, le Fairy Cherry Libration, j'ai fait la même page. Alors, encore les polychromos. J'ai pas mal utilisé polychromos ce mois-ci. Polychromos, l'ensemble des éléments. J'ai mis du Glossy Accent dans le cœur. Du stylo gel dans les ailes et le fond au pan pastel. Voilà pour les Clara Markova. Botanicum. Alors, ah, j'en ai fait 4. Bon, il y en avait 2 que j'avais commencé dimanche. Je pensais pas le finir
avant la fin du mois. Pour moi, il allait aller au mois de juillet, mais je l'ai fini hier. Donc, il passe au mois de juin. J'ai fini hier soir. Alors, il y a celui-là. Alors, celui-là, je m'interroge encore, savoir si autour de 4, je dois faire un fond ou pas. Parce que je le trouve un peu vide, mais après, si je fais un fond, je ne sais pas quoi mettre. Je ne veux pas que ça le charge trop non plus. Donc, en commentaire, donnez-moi un avis. Ce serait intéressant de savoir si je dois rajouter quelque chose autour et quoi, sans que ça fasse trop charger. Alors, sinon, alors là, ce n'est pas les polychromos, j'ai pris les Castel Art. Il y a longtemps que je n'en étais pas servi. Castel Art pour tout. Le cadre et les oiseaux. Dans les ailes, j'ai encore remis mon vernis à ongles. Voilà. Le fond, là, j'ai fait au Néocolor 2. Les nuages, j'ai passé un coup de peinture acrylique pour essayer de cacher les lignes blanches. Voilà. Et j'ai mis déjà la paillette. Je ne sais pas si vous voyez bien. Dans les nuages. Voilà. Et après, j'ai fait celui-là. Alors, pareil, Castel Art. Pour tout, sauf le bâtiment, les murs, j'ai fait au Prismacolor. Voilà. Après, j'ai mis le fond néocolor, y compris le petit vert clair, là, qui est passé du néocolor. Tout là. J'ai mis des paillettes à la marque, mais je suis pas sûre que vous voyez. Et mon vernis à ongles dans les oiseaux. Et comme ce soit celui-là ou celui-là, j'ai tout contouré. C'est un truc que je fais pas tout le temps, parce que je trouve que ça prend du temps. Tout contouré, sauf les feuilles, parce que j'avais pas le bon vert. J'avais commencé, mais c'est le vert que j'avais, il n'allait pas. Voilà, ça j'aime bien. Un Botanicum, et après, hein, j'ai fait au tout début du mois, qui était fin mai, début juin. C'est celui-là. Voilà, celui-là. Et deux pages. Alors, celui-là, c'est au Polychromos. Que j'ai fait un Polychromos. J'ai mis des paillettes dans les dragons, que ce soit dans les écailles et dans les ailes. Je ne sais pas si vous voyez. Et le fond pastel sec. Et pareil. Alors là, j'ai voulu faire couleur froide de ce côté et couleur chaude de l'autre côté. Pareil, Polychromos. J'ai mis aussi du gel, des paillettes dans les ailes. Voilà. Et pastel sec. Voilà pour Maria Troll. Fairy Gardens, le livre que je... Là, je vais vous montrer une série de coloriage dans les livres que je vous ai présenté dans mon dernier rôle. Donc, Fairy Gardens. Alors, j'en ai fait un. Oh, alors, voilà. Alors, j'ai fait une base au feutre à alcool. C'est la première fois que j'ai essayé. Ah, par contre, et après, j'ai essayé de mettre des ombres avec les polychromos. Sauf là, alors je me suis trompée dans le vert, je pense que je voyais plus clair au départ. Je n'ai pas nuancé pour les feutres à alcool et du coup je me suis un peu plantée. Du coup, je n'allais pas faire des ombres dans ce vert, ça ne servait à rien. J'ai mis pas mal de paillettes, soit là, dans les ailes, dans le voile, et puis là vous le voyez, et le fond au néocolor. Ça, celui-là, ça bouge, ça bouge. Il est commencé. Après, Secret Garden. Un autre que je vous ai présenté dans mon rôle. Alors, c'est des fleurs, là. Je connais beaucoup des fleurs. Alors, il est où? Il est là. Alors, c'est ça que je vous disais dans mon hall. Parce que vous voyez, c'est un petit peu chargé, c'est un peu... Bon, c'est pas... Du coup, je me suis mis de... Quand je l'ai reçu de première semaine de juin. J'ai commencé à m'y mettre et puis j'ai colorié pas en continu. De temps en temps, je faisais 2 ou 3 feuilles, autour de 2 ou 3 fleurs par-ci, par-là. Et du coup, ça m'a pris 15 jours, 3 semaines. Mais au fur et à mesure, eh ben, il a avancé et j'ai pu finir.
Donc les coloriages longs, comme ça, je ne vais pas me prendre la tête à m'y mettre à fond, sinon je vais me lasser. C'est en faire de temps en temps. Voilà. Alors j'ai fait au polychromos, encore les polychromos, un peu contourer les contours avec des stylos gel et le fond au pastel sec. Et après, monde des fleurs. Version mousse, alors je ne vous dis pas. Je vous dis pas le titre en néerlandais. Artesa, papier mousse, ça va tout seul. Voilà. Artesa et pastel sec. Pareil, celui-là, c'est un petit peu long, mais pareil, je faisais de temps en temps quelques fleurs et tout. Et voilà, je me disais, une soirée, bah, je vais faire ce coin-là, l'autre soirée, je vais faire ce coin. Voilà, et puis tranquillement, c'est passé. Donc, Arteza, pastel sec. Mais j'ai beaucoup aimé le faire, et j'aime bien le rendu. Assez pastel, sympa. Je me lance des fleurs, mais bon. Alors, sur ce, la vidéo elle est terminée. Je la tourne le 1er juillet, mais elle sortira pas avant le 5 ou 6 juillet, étant donné que à partir de cet après-midi, je m'en vais en week-end pour 4 jours, donc j'aurai pas le temps de vous la mettre, de faire le montage et de vous la mettre en ligne, mais au moins elle est tournée. Et si, donc il n'y a pas de mystère, comme je vous ai dit, j'en ai pas fait ce mois-ci, peut-être j'en ferai quelques-uns au mois de juillet, je verrai. Je verrai mon humeur. Et sinon, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce, ça fait toujours plaisir. Mettez des commentaires aussi, ça fait plaisir d'avoir votre avis sur les coloriages, comment je peux évoluer, comment je peux faire évoluer ma chaîne, parce que là, en ce moment, ça me tente d'essayer de faire des color chat, mais j'ai peur de ne pas savoir quoi dire en fin de compte. Donc, essayez de me donner votre avis. Et puis, si vous voulez faire des duos, des trios, des quatuors, voilà, n'hésitez pas à demander. Vous avez commencé bien à avoir un aperçu de ma collection. J'ai ouvert une chaîne Instagram, Le Monde en couleur de Nono, où j'essaye de mettre des coloriages. Et puis si vous avez des demandes à faire, vous pouvez le faire aussi par cet intermédiaire. Et donc voilà, commentaire, un pouce, et puis abonnez-vous, hein, n'hésitez pas. Et puis je vais vous laisser. Pour ceux qui vont être concernés, je vous souhaite de bonnes vacances. Et puis pour le reste, pour les autres, bon courage et bonne continuation. Bisous!